Voilà Olivier, c'est fini. Donc tu as voulu ton pare-choc? Alors bien sûr qu'il y a une sacrée différence. Hein, donc je pense que par la suite, à mon avis, tu vas vouloir t'attaquer à tout le véhicule entier. Parce que là, on croirait qu'on l'a repas. Hein. Donc je t'ai mis un petit covering ici pour parce que tu te rappelles hein, ce que je t'avais dit. Les rayures du chien, hein, enfin bref. Et puis on va aller regarder un peu l'avant ce que ça donne. Donc bien sûr, à mon avis, tu dois. Oh là là. Ben je te l'ai pas repeint, hein. Moi je t'ai juste dérayé puis mis du verre liquide. Hein. Donc bah oui, il y a une sacrée différence, c'est un truc de malade quoi. Voilà, donc je t'ai fait briller tes chromes avec mon nouveau produit chrome, hein, bien sûr. Ça tu le verras hein, de toute façon, voilà, c'est ça. Hein. Et puis ben voilà, hein, c'est fait. Hein. On est bien. Voilà, donc on a le miroir. Hein. Voilà, donc je regarde avec ma lampe, qu'on voit bien qu'il y a zéro défaut. Donc par contre, oui, ben c'est là où ça tranche. Hein? Et là, on voit vraiment. Alors, t'es le premier client qui m'a demandé de faire juste le pare-choc, le capot ou la malle arrière. Bon, ben, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit vraiment la différence. Voilà. Voilà, ben, là, c'est hallucinant même, hein, je dirais. Hein. On croirait que c'est repeint ou que c'est même pas la même couleur d'ailleurs. C'est tellement terni. Et là, on le voit qu'en vidéo, mais alors là, attention. Hein. Quand tu le vois en vrai, tu vas être épaté, je pense, tout à l'heure quand tu verras ton véhicule. Voilà, maintenant, je vais t'appeler et je vais te dire tout ça.